Yo mec, ça? Ah, j'entends pas bien. Allons-y, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, ça va être chiant, là. Du coup, j'ai créé une chaîne YouTube. Ah, ouais, j'avais vu. Ça, quand je dessine, je live dessus. Je dois faire pareil d'ailleurs. Ouais, peut-être sur une secondaire. Ouais, je sais pas. Ça m'aide à être productif. Ouais, je pourrais tester en vrai. Inktober, il était chaud. Ouais. Ouais, tu sais, je voulais le faire l'année dernière, mais t'es un peu malade. Je fais pas, je boycotte totalement. Bon, ça me sert de motivation. Enfin... Tac, tac. Nice. Sans quand tomber. Je peux comprendre. Le problème avec le cover, c'est que bah, jour 1, 2, 3, t'es motivé, jour 4, t'arrives pas et oh, après tu déprimes. Ouais. Moi, c'est pareil dans le truc. J'ai déjà fait les challenges, j'avais un dessin par jour pendant un mois. Ouais, mais ça. T'as trouvé ça truc. Pas des dessins complets, je fais ouais. Des croquis de 15 minutes. Mais... Ouais, justement, c'est. Pas faire des. En ce moment, je préfère finir mes dessins, quoi. Ouais. C'est vrai que ça date les dessins que j'ai complètement fini. Donc, au moment, je vais essayer de me lancer sur Twitter. Il était à toi le VTuber hein. De quoi? Un VTuber? Un modèle 3D? Non, je pas de modèle 3D de quoi que ce soit, je fais juste. Ah ouais, il faut que je joue pas Mario, c'était pas à toi? Non. Ah, ok. Je fais juste des clips que je prends. J'ai toujours trois trucs d'avance. Oh, ça va être compliqué. Ah, flemme. Go direct storyboard. Donc j'ai pu constater avec le génial portrait, enfin les quelques portraits que j'avais fait récemment, que ça dessinait à peu près trois visages. Ah ouais, toujours les mêmes. Mmh. Ouais. Ensuite, tu vois, tu changes les coiffures et tout, mais. Ouais. Ouais, pour tout le monde. Je change les yeux, les coiffures. Mais... Ok.
De finir un sketch, d'avancer vers un liner. Ça, je voulais. J'ai passé ma journée sur LOL, j'ai fait perdre. Bad Snake. Les mates en 10. Mais ça fait. Ouais, je crois que tu boucles sur LOL depuis longtemps, non? Avec ça. Pas de puce. Ah ouais. Au moins, je change de boucle. Quand t'as commencé, tu peux pas arrêter. C'est ce jeu, ils sont trop chiants. Oh, je sais pas. Pas mon point où ça devient vraiment trop répétitif, les jeux compétitifs. Quand tu commences à faire à peu près tout le temps les mêmes choses, que plus vraiment de surprises. Enfin, j'arrête.
y a des jeux où c'est le temps de jeu qui le jeu du temps de jeu. Trackmania, Rocket League. C'est quoi, c'est chiant. Pour un bon level, c'est juste spammer le jeu. Les Chinois là, quand ils ont racheté Riot Games, complètement détruit le jeu, mais pour la nostalgie en fait. J'ai mis à Torreycraft. Là, les Chinois là, ils nous ont mis quenelle. Oh. Je crée un algo pour que tu puisses pas. Voilà, pour équilibrer à 50, ouais, comme dans tous les jeux. Voilà. Là, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ça n'a aucun sens. Bien, mais c'est random. Ça, c'est tous les jeux compétitifs de nos jours. Hein. Quasiment. La ferme.
Ouais, c'est vrai. Comment ça me fait ça quand on prend des trucs fait par ailleurs en ref? Ça, c'est encore pire. L'anatomie, elle suit pas bien. En tout de jeu. Voir ton truc. Bref. Ouais bah tu sais ça juste. Attends, comment on écrit ça? Largué mais je veux dire à part avoir élargi les trucs Non mais c'est pas rien, attends. Tu vois t'élargis, tu rétrécis et t'élargis en bas mais. C'est pas stylé, je vois. Pas ça. Passe pour un quoi, là. Bah ça, tu vois, c'est. Ça, c'est le. Ça, c'est l'obsèse. Donc, ça, c'est. C'est une bonne cage thoracique de chanteuse. C'est la cage thoracique? Bah non, c'est. Bah, en vrai. D'accord, normalement ça devrait faire un truc. Ouais. Bon, après, il y a un double push-up et tout, mais. Enfin, d'accord, le muscle. Enfin, le muscle. Là, quoi. Y'a un problème. Alors, y'a ça, ce triangle là, c'est quoi? Oh, quoi. Ouais, je vois. Sur le dessin, je sais pas, c'est. J'arrive pas à voir mon erreur. J'ignore juste la bosse, mais. Ouais. Je vais Gonex. Hein. Non. J'improvise. Mmh. Ensuite, tu changerais quoi, toi ? Pas grand chose si t'enlèves la bosse. Ouais, ça change. De respecter l'anatomie le plus possible. Après, Après, je vais faire à ma sauce. Hein. En fait. J'ai remarqué un truc, c'est que je me prenais trop la tête. Ouais. Et je bloquais sur des détails à la con, comme celui-là, genre, par exemple. Alors que. C'est avancé.
Tu sais, ça le fait, t'as une tablette graphique toi aussi. Yep. T'as pas genre, tu commences pas à avoir un trou au milieu, genre, pour tout le temps dessiner au milieu. J'ai pas de trou, mais j'ai le stylo sur la pointe qui se coince et donc ça continue à appuyer même quand. Ah ouais. Genre des fissures, enfin, des craves. C'est pas dans la tablette, c'est. Ah ouais. C'est juste le stylo quoi. Change la pointe. Ouais, j'ai changé la pointe, mais ça le refait. Je trouve à quoi c'est dû. Bah, je la lave et tout, mais de temps en temps, ça revient. C'est... Mais non, j'ai pas encore de. Après, j'ai eu une bête. Moi non plus, j'ai dû l'acheter à 30 balles, peut-être 40. Et oui. Ah, c'est pas une tablette à écran du tout. Ah non. Oh, c'est pas très grave de pas avoir d'écran. J'en avais acheté une à écran après. Elle laguait un peu. C'était horrible. Ah ouais? D'avoir un peu de décalage, c'était. Après, au final, c'était pire. Bonne carte graphique. Et l'écran principal et la table. Ouais, c'est vrai que du coup, ça faisait trois écrans. Oui. Ah ouais, quand même. Je travaille pas avec un seul écran. Ouais. Je pouvais revenir en arrière. Une tablette sans écran. C'est vrai que bah, pendant que je suis habitué, ça pose pas vraiment de problème. Quand ton écran principal est plus grand que ta tablette, bah. Ouais. Ouf. Perdre l'écran quoi. Maintenant je suis.
moment, on va supprimer. Il me la ref au bout d'un moment. Attends. Bah, je sais pas, moi, j'utilise. Bah, si je dois faire la lumière et tout, je continue à l'utiliser. Ouais. La lumière. Ensuite, line art, évidemment, t'en as pas besoin, mais même pour faire. Pas la deuxième passe. Ah, les cheveux aussi, c'est... La main dans les cheveux. Pour les simplifier, mais pas trop. Quoi, depuis tout à l'heure, tu changes tout le temps de dessin? Je fais juste mes croquis. Je te dis, je fais une animation, donc là je fais tous les plans en dégueulasse. Une fois sur mon logiciel d'animation, bah je le fais au propre. Ouais, ok. On a le temps de l'animation, là c'est juste vraiment des brouillons pour. Pour me servir de base une fois que je fais ça. Pas mal de vues ta chaîne en fait. Ouais. Honnêtement, ça va pas bouger depuis un ou deux ans. Donc, un peu. Bon, ensuite, je poste. J'ai dû poster deux vidéos l'année dernière, mais quand même. Ah, c'est ça, il faudrait. Ouah, mais c'est du boulot. La régularité. Au travers de. Non, la bas. Changer de nom aussi. C'est comme plus. Oh, alors, Amérique, le contenu il dépasse les frontières, on est d'accord, c'est anglais. Ah c'est vrai que... Au début je faisais juste du shitpost qui me passait par la tête. Ouais, j'ai mis genre 2 minutes à faire cette bannière, je sais pas... Ah mais ça se voit. J'ai pas envie d'en refaire une autre. Très bien, j'aime bien. Mais... Ça dépend, c'est très attaché. Ça va, je suis comme ça. J'ai aussi envie de faire
fans de story time, un peu comme ce connard là. À farmer TikTok et tout, mais. J'arrive pas. Pas d'inspire ou quoi. On dit, oh, bordel, c'est tellement vide, les merdes qui racontent, j'ai envie de faire ça. Mais si j'ai envie de passer au-dessus, bah, arrive à rien non plus. Un nouveau dessin. Rien. Bon, c'est long. Si je mets autant de temps juste à faire le storyboard d'un truc, je vais jamais pouvoir assumer après. Peut-être avoir mes ambitions à baisse, faire des trucs encore plus courts. Moi, je crois que c'est 20 secondes cet extrait. Alors que je fasse des trucs de 5 secondes, voire même moins certains jours. Ouais, l'animation. C'est long, quoi. Ouais, faut juste que je prenne des extraits plus courts. Seconde, tu fais combien de frames? Combien de frames par seconde, tu dis? Tu veux dire par mouvement? Mais non, combien de frames par seconde? Non, je fais du normal, je fais du 24. Mais je fais pas des nouvelles frames pour chaque truc non plus. Faut pas... Je fais quelques mouvements, sinon quand ça parle, bah, je fais fixe avec une bouche qui change. Et... Ah oui. Le smooth, enfin, ouais, j'étends un peu sur le haut ou sur le bas pour faire du mouvement artificiellement, mais ouais, je fais ce genre d'arnaque. Non mais... Ouais, mais... Rien que comme ça, ça me prend un temps ouf. D'accord. Où je peux animer chaque truc. Tac, tac. Et voilà, ce sera très bien comme ça. En vrai, pas besoin de faire les bras, tu vois, tu fais juste un torse comme ça, tu mets les mains, suffisamment compréhensible. C'est pas chier. C'est pas de la flemme, c'est de la stylisation. Suivant.
Si tu devais choisir un pays, c'est le plus joli dans lequel. On sait rien, moi je suis un putain de pro, j'ai pas voyagé. Avec... Ah, mais sans voyager, genre. Connaissance. Je dirais des trucs de l'Europe de l'Est. Ouais, pas mal. Enfin, sinon, il y a les Korean SP plastiques, mais pas bon. Bon. Latina, c'est pas trop mon délire non plus. Non, ouais, Europe de l'Est. En Roumanie, tu sais. En Roumanie. Ouais. Russie. Ah, Russie. Notamment. Ah, moi, perso, je mets les Coréens devant. Mais bon, après, elle triche. Heures à faire un truc de 20 secondes, c'est faisable. 6 heures faisable, mais ça va être chaud. Ouais, peut-être un peu plus. Mais ah, peut-être quand je sais pas comment tu t'organises, mais peut-être réutiliser genre des pauses, des trucs comme ça, où t'as juste à changer les yeux. Et ouais, mais j'ai une fierté mal placée là-dedans. Ah ouais, à chaque fois tu repars, tu réinventes la roue, genre. Ouais, puis comme ça, tu vois, ça progresse en même temps. Même les concept artistes, genre, ils ont des... ils refont jamais les mains, genre. Ouais, ou les mains, ils copient-collent des mains qu'ils ont ouais, déjà dessinées ensuite, il y a 15 moi, ans. Moi, je suis un turbo noob. Donc en plus, si je peux apprendre d'autres poses de mains et tout... C'est pas différent mode de... Tu fais un mode full difficile. Alors, full difficile, c'est que... Bon, déjà, j'ai changé de PC, j'ai perdu mes autres trucs, mais... Hein j'ai plus mes anciens fichiers d'une part et puis de l'autre je prends juste des références même je pourrais alors quoi que ça fait longtemps que je suis pas décalqué. Ouais, je décalque jamais. Ouais, mais je faisais ça il y a. Les limites que tu apprends, ça va faire des traits droits. La qualité de tes lines, mais. Non, mais c'était. C'était juste pour les vidéos. C'était pas spécialement pour le dessin pur, c'était.
T'as des jours, tu dis 2 secondes. T'as tout de suite un truc qui ressemble à quelque chose. Et d'autres jours ou. Ah. Non. Moi j'ai l'impression que c'est plus par rapport aux poses que tu prends. Dès qu'il y a un peu de perspective sur le visage, il est parfaitement place, il est un peu incliné vers le haut ou le bas. Ah ouais, c'est ça. Il est comme un connard. Sinon, ça va. Ouais, les petits limites défis comme ça imposés à soi-même, ça marche pas mal. Et là, ça faisait genre facile 6 mois que j'avais pas d'inspi et tout, ou quoi que ce soit pour faire une vidéo. Et puis là, je me suis juste forcé, et puis ça va, je trouve des trucs. De merde. J'ai remarqué en fait que c'est les 15 premières minutes qui sont les plus difficiles. Il faut se forcer juste 15 minutes. Ouais, je sais. Et ensuite, moi, je suis genre du type faire oh, bah, j'ai fait la moitié. C'est bon, je finis pour aujourd'hui. Oh, j'ai fini cette frame. Ouf, allez hop, je prends une pause. Et c'est pour ça que tu devrais. Comment là, du tu coup. Tu vois, stream, tu dis je stream au minimum 3 heures. J'aurais déjà arrêté 3 fois si. J'étais pas dans l'appel. Ah, tu trouves un mec pour dessiner avec toi? Ou alors tu lances un stream? Ça te fout une petite pression. Mais... Ouais, mais parfois. Non, je sais pas. Ça peut aider. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Ça, je peux. Ah, voilà, c'est la symétrie. Bon, ok. Tac.
un truc aussi avec la motivation, c'est là à certains moments et il se passe tout de suite, elle part après. Ouais, c'est vrai. Ensuite, c'est embêtant puisqu'il vient souvent à 3h du mat. Raconter l'autre fois j'étais allé à un manga dans ma région. J'ai croisé un quai, c'était un quai mais il avait coché toutes les cases du quai quoi. Le mec l'élite quoi. C'est-à-dire Turbo Célestin ou d'arrêt jusqu'au bout. Il avait au fin fond de l'Ardèche, il trouverait ça dans une grange et bah ouais, il passe son temps à dessiner. Oh. Bah, respect à lui, hein. Bah, c'est pareil. Il n'habite pas dans une grange, mais l'Ardèche. Je peux faire la même chose, sauf que j'habite pas en Ardèche, quoi. Bon, c'est dans la campagne paumée, des personnes. Ouais, je sais. Bon, c'est un autre dessin, bloqué sur l'autre.
Je vais Eric, pardon. Chaque fois, en fait, je regarde le timelapse. Ça me fait un free réel, un free short vidéo, quoi. Trop, trop pratique. Parfois, j'oublie. Le record est comment, quoi. Peut-être pas 30, mais peut-être 15. Ça compte quand même en Inktober. Pour non, mais... Si je fais un jour sur deux, voilà. Non, mais tu veux faire une animation par jour? Une tous les deux jours, alors. Non, mais déjà, ça compte quand même. Déjà un sketch par jour, c'est énorme. C'est compliqué. Non, mais ça va, puisque j'ai justement, j'ai pas tout ce processus créatif à faire, quoi. Je prends le clip et je rajoute quelques mèmes, quelques références par-dessus, hop, c'est torché. Non, mais c'est rien. Pas du tout, pas aussi facile. Ouais, je sais, bah, j'ai quand même quelques vidéos derrière moi. Mais... Hop, hop, hop. Oh, ouais, ça prend forme, hein. Je peux... Hein? Ah. Si j'en ai... sur... Ok, pour encore deux pauses, ce serait bon. Deux keyframes, comme on dit.
Tac.
Comment je travaille la note? Peut-être mon télé. J'ai jamais fait de study de quoi que ce soit, anatomie, juste copier comment demeurer. On fait que du copiage, du décomposition. Oui. Bah, j'ai fait ça pendant 15 ans. Je réfléchis à l'anatomie juste par instinct, tu vois. Copier des refs. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je mets 4 heures pour faire un sketch. Alors que si tu connaissais l'anatomie, 5 minutes, tu fais un. 5 minutes, je vois rien. Un mannequin, et après je dessine par-dessus. Et ça tient en fait. Ça permet de faire en sorte que le personnage il tienne debout quoi. Enfin, moi c'est juste pour gagner du temps. Et plus vite. Le vrai truc, il faut que j'apprenne sa perspective. Ça. Un point, deux points. Ouais, c'est. C'est nul, si tu veux. Ouais, moi, je télécharge les trucs. Oui, à un moment, il y avait un Sansola qui a mis le truc de Proco. Je sais même pas qui c'est Proco. Dans un dossier de 60 gigas, j'ai téléchargé, je l'ai jamais ouvert. Il a l'air complet en plus. Un petit peu de gratuitement. Pour accéder. En plus, ouais, j'ai un peu appris la théorie de la perspective. Mais... Bon, moi, je vais faire une pause, je pense, parce que. Bah, moi, faut que je finisse ça. Demain, bah, je vais rester d'être occupé. Sinon. Ouais, ouais. Et après, ça peut être bien de continuer à faire ça. En fait, en ce moment,